Maintenant que nous avons créé notre premier document, il est important de venir comprendre un petit peu plus l'interface de InDesign. Les logiciels Adobe ont tous plus ou moins la même interface et les mêmes spécificités, mais je pense qu'il est important de revenir dessus afin de bien les comprendre. Il faut savoir qu'elle est découpée en trois parties, ou plutôt en quatre. Vous allez avoir la partie supérieure ici, qui va contenir vos outils de paramétrage et les différents menus. Ce chapitre vous permettra de découvrir ces différents menus les uns après les autres. Je vous les présenterai. Vous avez sur la gauche les outils et la possibilité de faire venir une deuxième barre latérale contenant les menus de votre choix, appelée fenêtre. Vous avez ensuite la zone centrale contenant les différents onglets et votre espace de travail, qui contiendra ici par exemple dans vos pages, la possibilité d'avoir plusieurs pages. Vous avez ensuite, sur la droite, eh bien, les différentes fenêtres présentes de base. Ces fenêtres, vous pouvez les déplacer à tout moment. Il vous suffit de cliquer dessus et vous pouvez venir les amener où vous le souhaitez. Vous pouvez les agrandir en cliquant sur les doubles flèches et les replacer dans les barres latérales. Quand vous avez le contour bleu comme ici, cela veut dire que vous pouvez le placer. Et encore une fois, à cet endroit, vous avez la possibilité d'ouvrir le menu ou non, de façon à avoir vos différentes fenêtres les unes en dessous des autres. Vous avez également dans vos outils, si vous regardez bien ici, des petites flèches présentes en bas de certaines, à droite. Si vous faites un clic droit, cela vous permet d'ouvrir un sous-menu contenant d'autres outils. C'est le cas par exemple pour les outils de texte, que l'on reverra, les outils de plume ou de crayon, les outils d'image et de forme. Enfin, en haut, vous avez deux boutons à connaître, qui sont deux, quatre boutons à connaître. Un bouton ici qui vous permet de venir zoomer dans votre espace de travail, de passer à 400, 300, 200, 75%. Vous pouvez également utiliser le raccourci CTRL plus et CTRL moins qui vous permet de le faire. Vous avez ensuite ici la possibilité de faire apparaître différents repères. Nous avons par exemple ici les repères de règles. Vous pouvez les faire apparaître ou disparaître à tout moment. Ils vous permettront de venir faire apparaître des repères que vous pourrez déplacer dans la composition. Là, vous voyez que le repère est apparu. En prenant l'outil flèche noire qui est l'outil principal de sélection, vous pouvez venir les modifier, les supprimer ou faire un clic droit dessus. Je reviendrai dessus dans une vidéo dédiée aux repères parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur ces derniers. Pour l'instant, on va juste le supprimer et le sortir de la composition. On a ensuite donc d'autres possibilités, les contours de blocs qui peuvent être utiles, les repères commentés que je vais laisser. Encore une fois, je vous disais juste après qu'on fera une vidéo sur les différents repères. Et on a la grille de ligne de base, qui peut être également intéressante quand nous venons l'activer. Et on peut faire apparaître les caractères masqués quand on vient écrire. Ça, c'est assez commun. Si par exemple, j'écris un texte, vous voyez que vous allez avoir le petit P qui va apparaître. Et là, c'est la fameuse grille donc de ligne de base. Ça vous permet d'avoir quelque chose qui rappelle un cahier et sur lequel vous pouvez écrire. Et vous avez ici le caractère caché, représenté par un petit dièse, qui représente donc une page, un caractère. Et en sautant des lignes, vous avez également le caractère de saut de ligne, etc., etc. Personnellement, je n'aime pas les caractères masqués, ni la ligne de base, donc je ne vais pas les utiliser. À côté, vous avez les différents types d'aperçus. Ici, vous êtes en mode normal. Donc, vous voyez donc toute votre interface. Vous avez la possibilité de venir mettre des éléments sur le côté que vous pourrez réutiliser et que vous pouvez voir. Si vous venez ici cliquer en mode aperçu, vous ne voyez que vos pages. Ce mode aperçu, il est disponible en appuyant également sur la touche W. Vous avez ensuite le mode donc fond perdu qui contiendra et gardera les fonds perdus si vous en avez placé. Et vous avez également la même chose avec les lignes blocs. Ça vous permet de voir jusqu'où vous pouvez aller. Enfin, vous avez le mode présentation qui vous met en plein écran. Pour faire un mode présentation en raccourci, il vous faudra faire Shift W et automatiquement vous passez en mode présentation. Vous avez ensuite également la possibilité de définir comment seront rangés vos différents onglets. Est-ce que vous voulez tout sur une seule fenêtre? Est-ce que vous voulez tout dans une mosaïque en mode grille? Alors là, on va venir mettre plusieurs onglets pour que ce soit un petit peu plus visible. Mais imaginons que j'ai par exemple deux onglets. Donc tout en un,
Vous pouvez venir faire une mosaïque qui va les mettre côte à côte, les avoir en colonne ou ici en ligne. Ça vous permet d'avoir vos projets les uns à côté des autres au besoin. Et bien sûr, vous voyez qu'il existe un grand nombre de possibilités suivant le nombre de fenêtres qui seront ouvertes. De vignettes, 3, 4, 5, 6. Vous avez également la possibilité de tout rendre flottant, comme c'est le cas ici. Et vous voyez que pour venir grouper les onglets, il vous suffit de venir mettre un onglet en haut et automatiquement ils redeviennent ici, dans la même forme. Et après, je peux les remettre dans l'interface pour avoir uniquement mes deux onglets. Enfin, pour terminer avec cette interface, cette présentation, il y a également le bouton ici, les indispensables, qui va contenir différentes interfaces préenregistrées. Vous avez par exemple les interfaces, les indispensables, c'est celles que vous aurez en général quand vous ouvrez une design pour la première fois. Elle met en page, ou plutôt en avant, le menu propriété, les pages et la bibliothèque. Ce sont les trois menus principaux qui vous permettent de retoucher au maximum vos compositions. Vous y retrouvez l'intégralité des outils. On reverra le menu propriété le moment venu. Mais personnellement, je ne trouve pas que ce soit une bonne idée de commencer directement avec ça. Ça nous permet certes de gagner du temps et de griller des étapes dans le sens où on ne viendra pas découvrir tous les outils. Tout sera paramétré au même endroit. Personnellement, je suis plutôt adepte des indispensables classiques qui vont permettre d'avoir les menus de paramétrage en haut tout en nous offrant la possibilité d'avoir les propriétés dans un autre menu que je pourrais utiliser. Vous avez également, suivant vos types de travaux, eh bien, des spécificités. Par exemple, en mode avancé, vous allez avoir d'autres menus qui vont apparaître pour vous faire gagner du temps. Alors là, vous voyez que c'est exactement le même que pour les indispensables classiques pour moi, sauf que j'ai un petit peu moins de menus parce que j'en ai supprimé. Vous avez impression et épreuvage, qui va mettre en avant les différents éléments pour une impression, avec un aperçu de l'aplatissement par exemple, que l'on reverra, les options d'objets pour la surimpression ou les effets. Vous avez un mode prédéfini pour les personnes qui doivent éditer des livres, avec les pages, la possibilité de créer des index ou de textes conditionnels, la possibilité d'ajouter des signés pour vous y retrouver, ou encore les styles d'objets et les styles de paragraphes. Vous avez la possibilité de faire des objets interactifs pour les gens qui doivent venir réaliser des PDF avec des liens. Ou encore la possibilité de faire de la typographie avec tous les éléments qui vont être intéressants et liés à la typographie. J'entends par là les hyperliens, les styles de caractère et de paragraphe qui vont être liés ensemble, et bien sûr la possibilité de découvrir les glyphes ou les habillages de texte. Toutes ces choses que vous découvrirez au cours de cette formation. Nous allons revenir sur les indispensables classiques. Ce sera l'interface que j'utiliserai personnellement pour ce tutoriel, bien que je viendrai ajouter ou fermer des fenêtres suivant les besoins. Maintenant que vous avez compris comment fonctionne l'interface, que vous avez vu où sont placés les éléments, que ce soit les outils, la zone de travail ou les calques, nous allons pouvoir passer à la découverte des différents menus, en commençant par le fichier, édition, puis préférences, page, texte, objet, tableau, affichage, fenêtre et aide. Certains ne seront que survolés, tout simplement parce que pour les utiliser, il vous faudra utiliser des éléments que vous n'avez pas encore. Par exemple, dans texte, si vous n'écrivez pas de texte, vous ne pourrez pas l'utiliser. Mais je passerai rapidement pour vous présenter les possibilités et à quoi servent ces éléments. Vous pourrez revenir sur la vidéo le moment venu, si jamais vous avez un petit trou de mémoire. Le but étant de faire une partie un petit peu théorique, suivi d'un exercice ou de pratique qui vous permettront de les utiliser. On va donc maintenant attaquer tout de suite la prochaine vidéo avec le menu fichier.